Hey hey hey, cucu mes petits cucs, bienvenue pour ce nouvel épisode du Régis Archéologue évidemment, ou à Iowa, à 3h du matin et déjà sur les pieds de guerre pour repartir à Selva-Dorada. Donc je le pimpe un peu et puis on va être parti. Ça fait 2 semaines Sims, donc voilà, ça va faire du bien de retrouver la jungle. Et voilà, on est déjà de retour à Selva-Dorada. Oh bah tu vas commencer par creuser mon coco, hein. On va se mettre en quête de trouver notre dernier petit truc. Qu'est-ce que t'as trouvé, mon coco? J'ai pas fait attention. Rien. T'as rien trouvé. T'as creusé, mais t'as rien trouvé. Alors, il a reçu encore une machette. Oui, effectivement, il n'a pas trouvé de jeu. Super. Ça commence, ça me plaît tout ça. Tu vas creuser là. Je sens que ça va me taper sur les nerfs. Et tu vas creuser ici. Et puis, tu vas déjà franchir à la machette, hein, normal. C'est Noël! Oh bah c'est dommage ça, nous on est dans la jungle. Ce Père Noël il nous trouvera pas, ça c'est sûr. Ouh, sable mouvant, comme d'habitude. Iowa trébuche, fait tomber son sac rempli d'objets personnels, plouf, dans les sables mouvants. Iowa doit-il tenter de récupérer ou laisser tomber? Là il dit sans logique, donc on va tenter de le récupérer évidemment. Échapper au sable mouvant. Iowa cherche quelque chose qui pourrait l'aider à proximité. S'emparant d'un bâton, il se penche prudemment au-dessus des sables mouvants. Il accroche le bâton sous la sangle du sac et tire très fort. Le sac est libéré des sables mouvants et la force du mouvement fait tomber Iowa en arrière sur une cachette secrète contenant du matériel d'aventure. Mais c'est une bonne nouvelle! Ah, ça y est, tu sais plus franchir la porte? T'es un peu bête quand même, Iowa, hein. Je veux pas être méchant, mais... Ah bah oui, bah il a du mal avec son vélo. Allez, tu vas le mettre dans l'inventaire et tu franchis. Tu vas voir, tout va bien se passer. Ouais, non, il a du mal là. Oui, Braval, tu as réussi à passer. Alors, cette porte-là, elle est condamnée. Ben, tant pis pour nous. Oh, le beau serpent, miam, miam, miam. Tu vas venir creuser ici, mon petit. Oh, encore un serpent, miam, miam, miam. Avant de repartir et franchir cette porte-là à la machette, évidemment. Oh là là, ça y est, il n'y a plus rien qui va. Il est mouillé, il a faim, il a chaud. Bichette. Oui, t'as du mal, hein, mon petit Iowa. T'inquiète, ça va aller mieux. Surveillance attentive. Lors d'un trek dans la jungle, Iowa observe les oiseaux à travers la canopée lorsqu'il manque de trébucher sur un œuf très étrange. Un oiseau de proie est perché à proximité et semble lorgner l'œuf d'un air affamé. Alors, ben, on va surveiller l'œuf, hein. Tranquille, Emile. Iowa suspecte cette œuf d'une créature légendaire des contes, de nombreux contes folkloriques, nanana. Et hop, une petite bénédiction pour Iowa. Ah non, tu vas pas me refaire le coup là. Il va me refaire le coup avec son vélo. Tu me flingues, Iowa. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à faire ici, à part regarder le panorama? Tu vas venir creuser ici, toujours bien sûr à la recherche des reliques. Alors, nous avons, oui, que je sois dans le bon sens, cette porte-là qui est ouverte, celle-là, elle ne l'est pas. Celle-ci, c'est le temple, hein, donc de toute façon, on va sûrement se le faire tout de suite. Et ici, il y a un petit truc à creuser. Voilà, c'est pas, il n'y a pas grand-chose, mais de toute façon, on va forcément s'y mettre. Vous savez bien qu'on fait 40 000. Oh non, pas les abeilles tueuses! Non, 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 non! Oh, ici. Ici, les abeilles tueuses. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, rester zen! T'as raison! Et voilà, et il a échappé aux abeilles tueuses. Alors fais-moi voir un peu ce que t'as récolté dans toutes ces charabias. Mais il récolte des trucs, mais on me le dit pas ce que c'est, donc du coup moi je sais pas ce qu'il récolte. C'est cool, hein, merci. Allez, bah direction le temple alors, hein. Oh Bichette, il a perdu sa machette! Oh! Et soudain des paresseux. Bon, on a pareil toujours là, peut-être la même petite histoire. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les petites histoires qui peuvent arriver. Donc on va charisme. Ouais, allez, on va faire le charisme et une relique par terre. Oh oui, bien sûr qu'on va au temple, mais j'espère surtout que c'est une relique que nous n'avons pas. Et voilà, nous sommes au temple. C'est super. Tu vas venir creuser puisque. Bah oui, hein, on perd pas de vue qu'il nous manque des reliques en or, mais en général, les reliques en or qui nous manquent sont dans les coffres du temple, bien sûr. Donc on va aller voir ça tout de suite. Ici, il n'y a rien. Ici, il y a ça. Ouais, tu vas quand même venir creuser un peu. Oh! Bah, j'ai l'impression que c'est le même que la dernière fois. Bon, bah tu vas venir examiner, tu vas venir creuser, puis tu vas venir examiner.
Voilà, je pense qu'on est déjà bien. C'est pratique le vélo, mais c'est un petit peu relou, hein. Le temps que les animations se fassent pour qu'ils le sortent, qu'ils montent dessus, qu'ils en descendent, machin. Mais bon, on y arrive. Mais lol! Regardez comme il est beau le temple, il a mis ses petites guirlandes de Noël, c'est n'importe quoi! Ah! Il a découvert le mécanisme qui ouvre la porte, effectivement, c'est assembler les glyphes arbres. Mais comme monsieur avait une envie pressante, il est parti pisser tout de suite parce que comme ça, au moins, il n'aura pas une envie folle et ça va le ralentir à fond dans le temple. Oh là là, il va pas bien, il a faim. Qu'est-ce qu'il est relou. Tu vas pas me refaire le même coup que la dernière fois, hein, à être casse-couille, hein. Allez, mange. Voilà, t'as ouvert, maintenant tu manges tes trucs là. Et on passe la première porte. C'est plutôt cool. Voilà, regarde qu'est-ce qu'il y a à faire ici. Il y a ça à examiner. Et puis c'est tout. Ah oui, c'est pas grand-chose. Hein. Et puis il y a des trucs à creuser. En vrai, c'est pas vraiment intéressant à creuser, mais on le fait quand même. En plus, il commence à être fatigué. Bah c'est ça de se lever à 3h du matin aussi à Iowa. À un moment donné, faut que tu te mettes à l'évidence. Hein. Plus tu te lèves tôt, plus tu seras fatigué tôt. Hein. C'est comme ça. Nous avons un petit squelette qui est pas loin. Parce que Iowa a eu envie de lui parler, parce que Iowa se sent seul. Finalement, je ne les ouvre pas parce qu'il est fatigué et ça lui demande 10 ans. Donc voilà, s'il faut qu'on rentre dormir, bah, il faut qu'il s'y mette à travailler maintenant, quoi. Sinon, on n'a pas fini, hein. Bon, aucun de ces squelettes-là, donc ça doit être forcément un de ces squelettes-là. Pour l'instant, il a toujours trouvé le truc qu'il fallait, hein. Il a pas encore fait du caca. Ok, alors ne t'endors pas tout de suite, tire sur l'arme du guerrier du milieu pour ouvrir la prochaine porte. Plus vite on y arrive, plus vite tu iras te coucher, mon petit. Voilà, regarde, on a ouvert la porte, tu peux venir déjà examiner celui-là. Oh, on a un petit coffre trésor à ouvrir, ça c'est cool, et on a un gnom-gnom aussi. Voilà. Et puis ça, voilà, ouais, ça fait du taf. Alors, aucun de ceux-là? C'est pas grave, allez, va ouvrir le coffre. Je pense que ça va te redonner du baume au moral. Allez, Iowa. Ça suffit là de faire son feignant et tout, là d'être fatigué. Alors que ça fait 2 semaines qu'on attend que ça, que tu retournes dans la jungle. Trouve-moi des reliques dorées en or, s'il te plaît, qu'on n'a pas. Une base de reliques de l'observateur. Oui, enfin, c'est une base de reliques, quoi. C'est pas comme si on s'en foutait parce qu'on en avait 15 000. Ah, il a un soda de Faraday. Faudra pas qu'il. Il a énergie liquide. Ça, c'est bien aussi. Voilà. On a des bases. On s'en fiche en plus de celle-là. Si encore ce serait une dorée. Mais je pense parce que les reliques dorées, on les a en entier directement. Donc, quel dommage. Oh, attends, attends, attends. Tu as découvert ce qui ouvrait. Allez, vas-y. Tu vas contempler. Tu complimenter les sculptures. Parce que ça sert à rien que tu perdes du temps. Oh regarde, il aime ça, se faire complimenter. Ah, oh, c'est mignon. Tu veux pas discuter avec lui? Non, c'est trop tard. Bon, quel dommage. Oh, bah allez, on y est à la fin du temple là. Allez, tu vas pouvoir ouvrir les deux trésors de cette chambre là. Et après, tu pourras te dormir, promis, juré, craché. Allez, tu me pousses avec tes beaux biscottos. Ouah, du pognon! Trop bien. Une assiette calendrier et un objet ancien. Ouais, on va aller voir ça. Et ici? Yves, donc forcément exploration terminée. Une base de reliques de la mort, un père à Ronin, une base de reliques de l'observateur. C'est tout? Oh la vache, on a reçu déjà. On a déjà trois. On va être tellement blindés. On est déjà blindés, hein, mais c'est pas comme si. Voilà, super. Et des bases de reliques, des fleurs de Guzmania. Bon, eh ben, ce fut complètement inutile ce temple, hein. Je veux pas dire, mais ça servait à rien. What, 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 what? Bonjour Père Noël, ça va? C'est complètement improbable, mais pourquoi pas? Non, mais viens, viens dire bonjour au Père Noël qui s'est déplacé rien que pour toi dans ce temple, alors que le jour de la fête de l'hiver est terminé. En plus, t'as besoin de social, là, désespérément. Voilà! Bonjour Père Noël, comment allez-vous? On va te saluer localement, on va te faire connaissance quand même. Et sinon, on va te demander un cadeau. Attendez, t'as qu'à faire. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut demander un cadeau? Non, c'est plus le jour d'hiver. Tu peux le flatter, c'est pas grave. Tu vas discuter avec lui, voilà. Mais tant pis pour le cadeau, hein. Ça aurait pu être une relique en or. Regardez maintenant
Ce Un pauvre... beau soir, Attendez. Ah, Tu vas bande tout d'orgues. récolter. Regardez comme ce pauvre Père Noël a été réquisitionné pour Hein? son amitié là Comment le et... fais-je? Iowa, récupère des trucs pour manger. Tiens, si tu peux, tu peux désherber. Vas-y. Tu désherbes, ça te fera les pieds. Eh ben écoute, il a bu le truc d'énergie là alors que je lui ai pas demandé. Donc c'est sa punition de rester encore plus longtemps réveillé. Na. On est de retour chez... bah chez sa danse, chez dire chez lui, mais non, à sa location. Et puis tu vas pouvoir faire un gros dodo après avoir creusé ça. C'est pas comme si on avait besoin de cristaux à l'heure actuelle, mais bon, sait-on jamais. Allez, c'est cadeau ça. Oh oui, plains-toi mon petit. Tu veux qu'on vienne te masser à l'intérieur de la douche là? Ça te fera du bien. Beaucoup de bien. Et nous voilà au bar, puisque comme il a faim et qu'il reste encore des trucs à découvrir, demande un plat du menu secret. Alors c'est pas cela dont on a besoin. Tu as commandé à manger tout simplement et il nous manque le camarao. Voilà, pastel de camarao. Donc ça, tu pourras lui demander à cette brave dame. Et puis, tu vas commander aussi une boisson. Donc ça, c'est les... Ah non, pardon, il y a un secret que je n'ai pas pris non plus. Et puis, bah, tu vas prendre un maté, allez. Moi, ça va me faire cocher qu'il apprendra à ces recettes-là, parce qu'il faut connaître les recettes, toutes les recettes du monde de Selvadorada. Donc, il va goûter tout ça. Et effectivement, non, il manque d'un menu secret, il manque un aussi. Donc, il manque pas grand-chose, mais au moins, il pourra faire ce qu'il peut. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Il mange sous la pluie, mais il s'en fout, hein. Pas mal, c'est pas mal. Oh, puis ils vendent plein de trucs sympathiques, dont l'énergie liquide. Ouais, tu vas m'en acheter quelques-unes, hein. Tu les fleurs, je pense qu'on en a assez. Tu vas me prendre aussi les sandwichs. Voilà, tu vas faire un bon petit marché. Ça nous fera beaucoup à vendre, à acheter, mais c'est pas grave. On en aura besoin de toute façon. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi conversation suggestive avec cette dame-là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je le regarde pas 3 secondes, ça y est, il drague. Mais quoi? Ah oui, alors pardon, je ferme ça, mais donc il a bien appris Donc il a bien appris la recette du pastel de Camarao. C'est trop bien! Et maintenant, également la boisson du maté. Super. Allez, c'est le moment de danser la Simrumba. Pourquoi ils sont tous excités là? Ah ouais, bah parce que Iowa, c'est le roi de la Simrumba. Je pense que même les Sims dans mon jeu ont compris que voilà, cette danse a été faite pour lui et que c'était lui le master. Ouais, pareil, il reste un peu keblo quand même, hein, mais bon, il ondule bien du bassin, c'est toujours ça. Oh bah dis, maintenant il est au niveau 5 de la danse, d'accord, mais c'est une pure rostin, hein, ce petit Iowa, attention, hein. Ah, voilà. Ça, c'est un ondulé déhanché qu'on aime bien voir. Magnifique. Incroyable, Iowa. Il y en a un qui a essayé de s'y mettre, là. Ouais, mais t'arrives pas à la hauteur. Tu sais, c'est Iowa, hein, la bête de scène. Mec, qui était beau avec ton vélo et ta petite lumière. 18h, ouais. C'est l'hiver, hein. C'est comme nous, à 18h, il fait nuit noire. Hein. C'est dépressivant, mais oui, dépressivant, oui. C'est comme ça. Regardez. Il y a deux trucs à creuser. Est-ce que vous pensez que... Hein? Ce serait super! Mais bon. À chaque fois que je dis ça ne se réalise pas. C'est vraiment au moment où je me dis, bon, bah, rien à foutre que ça se réalise. Donc, moi, je ne sais plus. Moi, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi faire. Vous le montrer et ne pas vous le montrer. Voilà, on sait pas. Allez, tu vas aller faire un site de fouille un petit peu. Et moi, je vais regarder dans ton inventaire ce que tu as récolté. Donc, on a récolté des trucs. On a ça. On va l'ouvrir. Une empreinte à 3 orteils. Mais c'est super. Et c'est pas celui qui nous manquait. Alors, j'espère que tu trouves des trucs intéressants dans ce tas de boue. D'ailleurs, tu auras une petite faim. Voilà, on a des trucs en forme de bon, en forme de couteau, des mottes de terre, tout ça. Pour l'instant, il n'a pas encore déterré grand-chose. Tu mangeras une petite banane quand tu auras fini. Voilà. C'est arrivé. Plus rien ne va plus.
Bon, après, il est 1h30 du matin. Il est épuisé, il a faim, il est fatigué. Ah, t'as fini ton truc? Eh bah, écoute, go, l'asticot, on rentre à ta location. Allez, tu es fatigué, mon petit, mais avant, tu vas venir te réchauffer, tiens. Tu vas venir te réchauffer, tu vas pas flamber d'argent, non, ça pourrait être utile. Si t'as pas assez de sous pour ton manoir, ce serait dommage. Pisser, manger, est-ce qu'il reste encore des trucs dans le frigal? Oui, eh bah écoute, tu vas me manger ça. Et après, tu feras faire un gros dodo. Allez, Iowa, tout va bien se passer. En voilà une nuit qui a été bonne, mon petit, tu trouves pas? Allez, tu vas me manger une bonne banane pour avoir la pêche et une poire pour avoir la banane. Ah ah ah! Non mais regardez, cet idiot il m'a abandonné son vélo ici. Oh non, mais c'était vraiment pas possible. Pff, on va en profiter de voir si dans le coin il y a des trucs à creuser. Tiens, il y a ici, tu vas pouvoir le creuser. Mais il m'agace, voilà. Tiens, il y a un autre ici. Go. Et pendant qu'Iowa se balade sur son petit vélo tout beau. On va voir pour ouvrir les espèces de fossiles là. On en a trois. Voilà. Voilà. Simien. Simien, mâchoire de crocodile. Eh ben, aucun n'est nouveau, évidemment. Voilà. Désespérescence de plus en plus. Deux autres petites choses à ouvrir, à creuser plutôt. D'ailleurs, j'ai pas regardé si le temple n'était toujours pas bon. Donc bah du coup tu vas voilà, te frayer un chemin à cette porte-là tranquillement. Allez Iowa, la jungle n'est pas plus forte que toi. Et en plus ça rime. Oh bichette, il va pleurer encore longtemps ces machettes, hein, c'est n'importe quoi. Plante carnivore, une lueur attire l'œil d'Iowa. Il repère quelque chose de brillant au milieu des plantes rampantes. En s'approchant, il remarque que les plantes semblent bouger de manière menaçante et qu'il y a une vieille botte déchirée parmi elles. Est-ce la preuve qu'un autre voyageur a eu moins de chance? Iowa doit-il tenter de récupérer l'objet brillant? Ou laisser les plantes hostiles tranquilles? Alors, compétence jardinage élevée, bah évidemment, puisqu'il a 10 en jardinage. Plante cimophage. Iowa a entendu des rumeurs de plantes cimophages, mais n'en a jamais vu en vrai. Selon ses connaissances horticoles, ce type de plante étourdit sa victime à l'aide d'un gaz empoisonné diffusé par la pointe de ses ramifications. Iowa évite soigneusement la zone dangereuse de la plante. Il s'empare du trésor. Oh, j'espère que c'est vrai, un vrai trésor. Alors, Biquet? Ah oui, faut il passe encore avec son vélo. Ah, je vous jure. C'est bon? T'es passé, c'était bien. T'as reçu quoi comme trésor? On sait pas. Allez, tu vas m'ouvrir ce coffre-là, en tout cas. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que... Mais tout va bien. Allez, go. Allez. Une rosique de Zazatotot! Si seulement elle était en or, ce serait coucoule. Eh ben non! Donc en fait, on s'en fiche. Voilà, c'était super. Merci de ta participation. Il y a un buisson, tu vas pouvoir aller faire pipi dedans. Ou alors, ce sera bien intéressant comme ça. Et on n'a rien d'autre à faire là, je pense. Donc, bon, on va pas y rester, hein. On va aller voir si le temple est ready pour nous accueillir une nouvelle fois. Et voilà que le temple est de nouveau prêt à être violé par notre cher petit Iowa. Eh bien, moi, je vais vous laisser là-dessus. Sur Iowa qui chasse les moustiques. Regardez quelle belle bête, hein, je ne dirai pas laquelle. Pour cet épisode, on se retrouvera pour la semaine prochaine pour un nouveau temple, en espérant que les reliques s'y cachent. Pour l'instant, bah, on n'a pas avancé dans le challenge, hein. On n'a pas eu de reliques en or, on n'a pas eu le dernier fossile. Donc on croise fort les doigts pour la semaine prochaine et les semaines qui arrivent, hein, du moins qu'une visite de temple nous rapproche de la fin du challenge. Sinon, on n'y arrivera jamais. Je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager la chaîne. Ciao!